Une grosse averse nous réveille au petit matin. Il faudra pourtant tout plier avant de déjeuner. Aujourd'hui, au programme, c'est l'île à Cabri. C'est avec ce bateau qu'on va y aller et un pêcheur débarquera les participants par rotation et nous sommes nombreux. Le ponton est toujours en très mauvais état. Gardien de la baie des Saintes, l'îlet à Cabri fut surnommé le Gibraltar des Indes occidentales quand Anglais et Français se faisaient une guerre sans merci. Le chemin nous amène aux ruines du Lazaret, dont la citerne est très bien conservée. Il servait à la mise en quarantaine des nouveaux arrivants. En contrebas, on atteint une belle mare avant de rejoindre la mer à l'anse du petit étang. Le fort Joséphine constitue un bel ensemble de vestiges militaires. On a une très belle vue sur terre de haut. Un paquebot fait escale dans la baie. À partir de 1961, vers la pointe Bombarde, on y construisit un hôtel. Mais c'était sans compter avec le Conservatoire du Littoral qui devient propriétaire du site en 2007. En attendant la barque de retour, on termine la matinée par une baignade. Les 4 jours de notre périple se terminent par un repas festif à l'hôtel Kanawa. Toute bonne chose a une fin. Merci à Daniel, Paul, Stéphane et les autres pour cette belle aventure. À l'année prochaine!